Fifi là-bas. Moi aussi, Dail. Je vais tomber en panne. Aïe aïe aïe. Oh là là. Mais gros, j'étais en réserve. Coucou petit chat. Tu peux me rendre ma moto s'il te plaît? Aïe. Perfect. C'est ça qu'il faut faire, hein. Oh là, il est chaud. Allez, casse la moto, ouais. Oh shit. Noni. Bon les gars, on est avec la team Power Rangers. Moto verte, moto rouge, moto bleue, moto noire. T'as mis quoi sur l'adresse? T'as mis Champs-Elysées? On connaît la route, quoi. Eh, on part à l'improviste, on sait même pas où est-ce qu'on va, gros. Ouais. La manif, elle est finie. Pouah, incroyable. Bon, du coup les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, je ne sais pas où est-ce qu'on va, on devait aller à la manif. Là je vous vois pas qu'on a mis sur le GPS Paris, on va aller au champ, à la tour Eiffel et tout. Petite vidéo chill, full gros cul, on va à Paname. Oh j'ai froid. Dites-vous il est chicané hein. Oh là là. Oh, oh no. Ça tâte, j'avais pas fait de petites barreaux d'un plusieurs, ça fait plaisir. Aïe 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 aïe. Amoureux de sa moto. En vrai les 4 bécanes elles sont propres. La bandit, toutes. Il y a du bleu, du vert, c'est exactement les couleurs que je kiffe, c'est incroyable. En tout cas bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Si t'es pas encore abonné BG, tu sais ce qu'il te reste à faire, lâche ton like, abonne-toi. Oui. J'ai eu chaud, la voiture elle a freiné d'un coup. Radar. MDR. Ils ont kiffé les bécanes. Bon, on arrive tranquillement. Je sens qu'il fait déjà un peu plus chaud. J'avais trop froid, j'ai ressorti les gants hiver carrément. Donc, bah voilà, on continue l'arrivée. On sait pas encore où on va exactement. Petit vlog tranquille, c'est un petit vlog détente. Petite baroude sur Paris. On verra ce qui se passe. Allez, petit Axel. La camionnette, elle a kiffé. Il fait déjà plus chaud vu que l'air, il est pollué. Tu sens la pollution. La pollution, les bécanes qui chauffent, les scoot beats, les embouteillages. Non par contre, en vrai de vrai, si on arrive à retrouver la manif, ce serait grave bien. Il est quelle heure? T'as pas l'heure sur la bécane? Elle est à peu près à l'heure. Non, moi elle est jamais à l'heure aussi. 16h, oh là là. Oh, sinon on va à Avenue Foch direct, hein. On va sur les champs. Hein. Non. Faut qu'on aille à Avenue Foch. Mec, c'est quoi ça? Il t'appelle. Quand j'y repense, c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas allé à Paris en moto. C'est la capitale. J'ai tous mes points. Je te jure. T'inquiète. C'est un ouf, il a dit j'ai combien de points. J'ai tous mes points moi les gars. J'ai jamais perdu de points. En tout cas je serai présent aux prochaines manifs. Je vous ferai des grosses vidéos. Celle d'aujourd'hui c'était pour le stationnement payant. Malheureusement j'ai pas pu venir parce que j'avais des choses à faire aujourd'hui. On s'est pris trop tard et le temps etc. Il pleuvait. J'avoue je sais pas ce que c'est comme Audi hein. C'est Audi A0. Audi A-1. C'est quoi ça? Les gars dans les commentaires dites moi si vous savez. Ah et puis ça, what the fuck. C'est quoi? Oulala, là là. Road Rage. Il avait anticipé le... T'avais anticipé le rupteur ou quoi? Non, même pas. C'est vert ou quoi là? Ah ouais, les cyclistes par contre, faut regarder. Hein. Ça va vite sinon. Ah non, eh, c'est fait exprès gros. C'est fait exprès les points blancs. Ouais. Ah ouais, j'ai cru, il s'était... Peggy 18. Oh là là, l'arc de triomphe. Ah, je suis là, ce dos. Descends.
ça. Oh, Champs-Élysées. Il y a masse monde. Vroom vroom. Ouais. C'est ça qu'on aime. J'avoue que les pavés c'est relou un peu. Mais tranquille, tranquille. Oh là là. RS5 en orange comme ça là. Wow, incroyable. Perfect. Regarde la Fefe là-bas. 3, 2, 1. Banks. Pouah. Magnifique. Oh, le retour qu'il nous a mis. Ah, lui il est pas content lui. Pouah. Regardez-moi cette Fefe, encore une. Troisième. Magnifique. Incroyable. Pouah, là là. Ah. Oh, magnifique voiture aussi. Eh hey, qui se porte volontaire pour faire un rupteur là? Moi aussi, Ndeiru. Qui veut pas prendre son permis? J'adore rire. Bon, par contre, ce rond-point, comme vous le savez, je le dis tout le temps, c'est n'importe quoi. Ah, merci, c'est gentil. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais il y a une cérémonie. Regarde, il y a une cérémonie. Regarde. Bon, ça va, il est pas trop blindé pour une fois. Bon allez, let's go, avenue Foch. Oh le fou, oh le fou, papy prend des risques. Waouh, c'est blindé. Ah bon, on a loupé la manif. Normalement tout ça... Attends, parce qu'ils sont pris en rouge. Normalement tout ça c'est blindé de motos. Ouais, il y a plein de motos. Ouais, il y a personne. Il y a même pas une seule moto, mec. Je crois qu'on est un petit peu en retard, il est 17h. C'était 13h la manif. Alors comme ça on se prend des feux rouges. On va faire une... Hein? On fait quoi? On va faire une petite pause. Oh, y'a la police juste en face. Regarde en face. Regarde en face. Tu vois les flics qui sont dans la cabine? Hein? Les flics qui vont peut-être nous casser les couilles dans la cabine juste là-bas. Parce qu'on est... y a plein d'ambassades ici en fait. On prend les Champs-Élysées, après on prend les Champs-Élysées. On se pose à la Tour Eiffel? Ouais. Le seul qui a fait le tour parce que la police l'a regardé. Non, je suis la loi, moi. Mec, là, c'est chaud un peu. Je vais tomber en panne. Ah ouais, c'est un head spinner le bordel. Ouais. Bizarre, bizarre. Mais après, regarde, faut vraiment que je passe à la station. Ah gros, depuis tout à l'heure là. Tu m'as payé 1,80 litres. Ah ouais. C'est cher à Paris, mais. Mais n'importe quoi, le prix c'est pareil partout. Mais ça, attends, c'est un bug, t'inquiète. S'il te plaît, c'est un petit bug. De barre. Oh, on a gagné une barre. Vive les MT. Non. Oh là là, magnifique. Je sais pas si c'est une location, je pense. Oh là là, ça continue, regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là, en jaune. Me dis pas que c'est un Urus. Urus. Oh là là. Oh les jantes, magnifique. Mais what the fuck? Mais gros, on se pose devant Trocadéro. Vas-y. Mais gros, j'étais en réserve. Et là je suis à... Mais mec, elle est trop bizarre, là je suis à deux bords. Ah, bonjour. Coucou petit chat. Il y a la 5008. Ish, la Tour Eiffel, fell. La Tour Eiffel, fell. Je l'avais même pas vu le feu. C'est un ouf. Voilà toutes les Govas là. La brochette. Vous pouvez descendre monsieur. Ils ont mis du scotch sur la Tour Eiffel. Tu peux me rendre ma moto s'il te plaît? Je te l'ai prêté 10 minutes, ça y est maintenant tu me la rends. Mec, elle est incroyable les gars, regardez-moi ces collecteurs. Il faut qu'on fasse un test, c'est toi qui décides combien de likes, dealer. Entre 0 et 10 000 likes. Hein? 7000 likes. Ok, 7000 likes. 7248. Voilà, 7248 likes, on l'atteste. En tout cas, eh mais mec, on dirait que c'est une peinture le truc. Wouah, gros, j'ai fait un trou. Je te jure, ça a fumé, j'ai fait un trou. Oh oh, alerte au Google. Ça. En vrai, je kiffe quand on roule en couleur comme ça, rouge, vert, bleu. Ça, je sais pas qui c'est, elle est pas mal aussi, les gars. Petit MT. Aïe, 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 c'est propre. Comme un Naked Story. Y'a personne ici. On va mettre sur le GPS, station essence et on va à la première venue hein. C'est ça qu'il faut faire hein. Comment il a eu grave peur. Ouais c'est ça ouais. Faites du bruit encore. Faites du bruit. Oh j'aime trop à l'ombre. Avec les... C'est trop beau. Oh ça fait des reflets, j'aime bien.
Quoi? Bon, où est-ce qu'on va maintenant là? On va faire un... Oui, on va faire de l'essence, les gars. Attends, c'est quoi ce délire là? Ils sont rouges. Pourquoi ils sont rouges? Ils sont pas homologués. Il a des clignots rouges. C'est un gyrophare. Arrête, arrête, arrête. Pourquoi t'as chaud? C'est fini. Hein? Attends. Ah. Oh. 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 Qu'est-ce qu'il fait? J'ai mis 40 euros le plein. 2 euros, mec. Incroyable. 1,87, mec. Voilà, ça pique, hein. C'est cher. En fait, tout le monde a de l'essence sauf moi, comme d'hab. Jamais d'essence, ce JC Prod là. Incroyable. Mec, c'est plus des jantes là. J'aime moi ces jantes. Genre les flancs blancs comme ça, c'est magnifique. Oh, mais c'est fermé, frérot. Non. Ah. Il s'est pris une sauce. Le mec il se garde n'importe comment. Il y en a un de travers, il y en a un comme ça, gros. C'est quoi ça? Oh, plaque Corse, team plaque Corse. C'est un autocollant, moi, je sais pas. Oh, t'es un faux. 77 Corse, je suis mort. Je savais pas que la Corse c'était du 77. Ça a changé la Corse, il a dit. Bon, deuxième tentative. Bonjour. Je vais mettre du 98 à la 3. 10 euros, s'il vous plaît. Merci, bonne journée, merci. Au revoir. Merci aux clients fidèles. Qui a soif, tu veux? Vas-y. Oh. On dirait pas les attractions à Disney. Attends, t'es sûr que c'est du 98 ça? Parce que je la sens bizarre la station. Le prix, mon fort. C'est trop cher, gros. En interrupteur, je perds 3 bars. Mais garde des coudes, garde des coudes, garde des coudes. T'as dit quoi? Il va cramer ta moto, donc tu la bouges. Mais frérot, il va faire exploser la station. Il va faire exploser la station. Comment ça, ça fait des flammes? Oui. 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 Calage criminel le truc. Je comprends pourquoi il a une plaque corse. Coup de fusil, gros. Mais mec, tu peux faire griller des chipots là avec ton lance-lame. Oulala, c'est la décadence. Non. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Il a tapé sa meilleure axelle, j'ai fait non. J'ai une question, il est passé où ton rétro gauche? Je l'ai fait tomber la main, il a cassé. Mais non, et c'est quoi ça? C'est un chewing-gum? Non, c'est un chewing-gum qui casse les couilles. Oh là là, ça y est, c'est quoi cette moto, Wish? Il a tout cassé. Bon, mon rétro, il ressemble plus à rien. Je suis désolé, Donatien, mais j'y peux vraiment rien. Déjà, j'ai de la chance qu'il soit pas tombé. J'ai essayé de resserrer tous les pas de vis. Ça se serre pas, ça tient pas, donc... Trocadéro, la tour Eiffel. Ouais, ok, ça me fout un vent comme ça. Non, mais c'est bon. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Oh là, il est chaud. C'est un ouf. Aïe 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 aïe. C'est quoi cette moto? C'est un lance-flamme. Ah, pas au calme, bordel, je suis mort. Oui, oui. On veut m'agresser. On veut m'agresser. Excusez-moi, monsieur. Où est votre chicane? Où est votre chicane, monsieur? Il a le pot d'origine, c'est pour ça que ça fait des flammes. Il va se prendre un poteau. Il a eu chaud. Il y a une poignée de maintien là. Attends, faut que je m'accroche. Vas-y. Est-ce que toi aussi t'as cru que ça brûlait le truc? Ouais, grave. Une menace a été détectée. J'adore le rire. Oh putain. J'ai accéléré par eux. Les gars, faut grave pas le regarder. Là, les gars, c'est moto, wesh. Oh, je les avais pas vus. T'as pas vu les policiers à droite? Là, s'ils viennent avec les gyros, c'est sûr, c'est pour moi. Ils arrivent.
Je les ai vus au dernier moment, moi. Noni. Bonjour. A few moments later. Oh, il est mort. Allez, trop tard. Bon les gars, on vient de se faire contrôler comme vous l'avez vu. J'ai pas pu filmer, j'ai dû éteindre la caméra. Au début c'est parti un peu en freestyle, je vous mens pas qu'il m'enchaînait. Il me disait ta ligne d'échappement elle est pas homologuée, tes embouts, tes leviers ils sont assaillants. Ils sont coupants donc il va m'amender pour ça. Il m'a fait bande réfléchissante sur le casque, je les ai pas. Ensuite la visière teintée du casque, il m'a dit c'est pas homologué. Il m'a dit les plaquettes de frein, what the fuck, je savais même pas. Il m'a dit mes 4 plaquettes de frein sont mortes. Il m'a dit que ma ligne d'échappement à roue elle faisait trop de bruit alors que je suis chicané. Bon au final je m'en sors plutôt bien. Au début c'était assez énervé, assez chaud sur moi, il enchaînait. Au début il m'a dit quoi? Il m'a dit bon bah monsieur on va faire une immobilisation du véhicule. Donc là j'ai vu flou, il m'a dit on va l'immobiliser, c'est pas possible. J'étais vraiment... Wow. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là, je vous mens pas. Mais au final, j'ai pris qu'une seule amende, une amende de 45€ pour les leviers cassés. Donc je les réparais au plus vite ainsi que mes plaquettes. Donc grand respect, grosse force à eux. Franchement, j'aurais pu prendre pire et ils ont été gentils. Après, je pense que la police m'a arrêté parce que je roulais beaucoup trop vite. C'est vrai que c'était limité à 50 et je devais être à 60-70. J'ai accéléré pile au mauvais moment. Donc voilà, j'aurais pas dû accélérer à ce moment-là, j'étais en tort, j'ai trop accéléré. Bah, c'est sûr qu'eux, ils hésitent pas à accélérer pour le coup. Grosse dédicace à l'abonné aussi que j'ai croisé juste après le contrôle, je vous mets la vidéo à l'écran. Aïe aïe aïe, on a croisé un abonné les gars, il est sur Paris. Force à lui. J'avais plus de batterie frérot, je suis désolé, je pouvais pas filmer. Là j'ai réussi à rallumer, j'ai 1%, mais bon. Grosse dédicace à toi BG. Là on est en train de rentrer avec le crew, je sais pas ce qu'il dit. Oh là là, elle a le démon sa moto. Elle a le démon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut plus accélérer avec sa moto. Il peut plus accélérer. Pourquoi? Descends. Il peut plus accélérer. Comment ça? Oh putain, c'est quoi ce bordel encore? Toujours dans des galères. En plein milieu du périph, mec, j'ai 1% de batterie. J'ai plus de batterie dans la GoPro. Oh mais hey, faites pas des frayeurs comme ça les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Elle accélérait plus. Ouais, je faisais ça, ouais, ça voulait. Mais il y avait du contact ou pas? Je l'ai coupé, j'ai remis, ça voulait pas. Quand je l'ai poussé. Comme s'il n'y avait plus d'essence, genre. J'ai fait ça, ben elle est repartie. En mauvais contact, je pense que pas. Ouais, tu nous as fait peur, il me dit, mec, il y a un problème et tout. Ouais. Je te vois, t'es à l'arrêt. Ouais, bon, on y va? Parce que là, sur le côté, c'est chaud. Mais t'as vu, t'as arrêté comme ça, faut le mettre, fallait se mettre sur le côté. Ben, c'est ce que j'ai fait. Hein? C'est ce que j'ai fait. Attends. C'est ce que j'ai fait, non? T'as roulé à 20 km/h. Ah merde. Mais c'est parce que je comprenais pas ce que tu me disais. Oh là là, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette journée mec? T'as filmé là où tu marches sur la nationale? Ouais t'inquiète. Ouais ça résonne ici. Bon comment je me réinsère maintenant? Je sais pas, sa moto elle s'est coupée d'un coup. Ouais mais là c'est bon, t'inquiète, c'est réglé. Vas-y, faut quoi ça sert hein? Accélérez là, après la plus. Ouah, wow, c'est chaud, comment tu t'insères? Après celle-là? Vas-y. Go! Ah! What? What? Il est où? Il est tombé? Wouah, mais non! J'ai une question, il est passé où ton rétro gauche? Non! Wouah! Putain, je savais que j'aurais dû le dévisser, mec. Il était en train de se dévisser de plus en plus. Mais de là, ce qui tombe, je pensais pas sérieux. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, on se dit vendredi prochain pour la prochaine vidéo, les gars. C'était GPROD, prenez soin de vous. Bye, la team.